votre étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien, place aux enfants. Bonjour Christine, bonjour Sébille et bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir pour moi d'être là avec vous pour cette nouvelle émission de Place aux enfants. N'oubliez pas que Place aux enfants est à sa 6e saison. Saison durant laquelle nous allons parler seulement de droits de l'enfant. Alors aujourd'hui nous avons un sujet assez spécial. Mais avant de commencer, vous connaissez déjà la routine. Allez appeler vos amis. Dites-leur que Place aux enfants est là. Nous vous voulons. J'espère que vous prenez une chaise basse pour qu'on doit. Parce que comme Sarah l'a si bien dit, aujourd'hui on a un beau sujet à débattre et ce sujet est le droit à la santé. Bien sûr, vous avez beaucoup de questions. J'espère que vous avez appelé vos amis, votre famille, qu'ils puissent allumer leur télé pour suivre cette belle émission. Alors, comme Sébille vient de le dire, pour ce si beau sujet aujourd'hui, nous avons préparé un petit sketch. Alors, nous vous invitons à regarder ce petit sketch. Alors, vous savez déjà que dans la première partie, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Et dans la seconde partie, on aura ce qu'il faut faire. Donc, allez suivre ce sketch. Alors, envoyez-nous vos impressions, ce que vous pensez de ce petit sketch 34-01-22-22 ou bien sur notre page Facebook. Allez regarder et donnez-nous vos impressions. Ami ou regardez si mon papa plaît pour quitter la quitter pour moi bon Dieu papa si mon papa pas de fond rien dans caille là tout bagaille c'est ou pour faire dans caille là tout bagaille c'est ou même pas comprendre rien à ti mon ça mon Dieu pour maman tout bagaille c'est ou même maman malade Anna Sogen qui ça ou pas sentir bien Anna depuis matin ou dans fête dans l'école ou dans journée de couleur et puis c'est kounyo vinn dit me vote faire mal tu fi démarche au devant là maman Anna Mbalo, démasque des femmes. Non. Bagaille, c'est où faire n'importe quoi. Tout bagaille, c'est où même. Pelletier, qui est un médecin. Donc, bonsoir docteur. Bonsoir Christine, bonsoir Sébille, bonsoir Sarah, et bonsoir aux téléspectateurs. Donc, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui vous êtes, ce que vous faites? La néonatologie, c'est-à-dire la réanimation des nouveau-nés prématurés. Je fais également les urgences pédiatriques et je suis l'actuel directeur exécutif de la Société haïtienne de pédiatrie. Qu'est-ce que la santé? Vraiment, la santé est un mot assez vaste. Là, il y a plusieurs définitions de la santé, mais est-ce que vous pouvez vraiment nous fixer sur l'une d'entre elles? Qu'est-ce que la santé, docteur? Bon, pour moi, la santé, c'est un état de bien-être physique et mental qui permet à chacun de vaquer librement à ses activités, ses occupations. On a au niveau scientifique tous les organes qui fonctionnent, au niveau psychologique, le cerveau, l'intellectuel, tout est normal, si on veut dire. Et puis,
c'est surtout tout ce qu'il y a comme, comme élément qu'on peut... Je ne sais pas comment exactement bien définir la santé, mais en plus de ce que j'ai dit, mais je pense qu'en gros, c'est surtout ça, donc l'état de bien-être physique et mental. Après, on peut rentrer dans des détails, mais je pense qu'on peut s'arrêter. Ok, donc docteur, tout à l'heure, tu as dit que vous apprenez néonatologie. Donc, qui ça lié? Est-ce que vous pouvez expliquer, Timonio, qui ça néonatologie? Bon, néonatologie sont sous spécialité dans la pédiatrie. C'est là que un pédiatre a décidé que lui voulait spécialiser, l'occuper, petit bébé fait avant l'heure. Parce que nous tous connaissons que c'est 9 mois que un bébé passé dans votre maman avant qu'elle sorte. Et bien parfois, et de leur, pour plusieurs raisons, maman a gagné n'importe quel problème et puis le bébé a obligé fait avant qu'elle gagne 9 mois. Le ça, nous avons obligé de mettre dans les couveuses. Couveuse là, c'est une boîte en plastique qui gagne un chauffage, qui protège le bébé de tout problème extérieur, de tous les bruits, de tous les microbes que tu n'as pas appris dehors, parce que les coûts pour l'heure pour te sortir dans votre maman. Donc nous essayons de remplacer votre maman par une boîte que la science vient de les couveuses, c'est ça lié. Donc nous-mêmes, nous un pédiatre qui est néonatologue, là, il mettait le bébé à la couveuse et puis il occupait lui jusqu'à ce que le bébé arrive à une certaine grosseur, il est capable de respirer pour contrôler la foncée de bagaille et puis pour le remettre lui, ben, il parlait pour l'entrée avec une jeune nous, c'est son petit frère ou petit soeur que nous parlions. Alors, est-ce que si on parle de cardi qui arrive souvent, à qui fréquence ça arrive pour maman lié, genre les difficultés ça, le bac à enfanté ou bien pour un petit maman qui mourit, etc. À qui fréquence, est-ce que c'est pas qui arrive souvent que raconter souvent? Non. Qu'on y a nous rencontrer le plus en plus souvent. Pas parce que ça arrivait plus souvent, vraiment, mais c'est parce que avant, peut-être mon Dieu t'a perdu grossesse ça. Avec suivi et avancé qu'il y a un niveau obstétrique, donc ça les gynécologues, docteur ça cap suivre mon enceinte, et bien il a réussi à empêcher que maman perdu Timoun ça. Donc il a réussi à arriver et grossesse là. Non, le nombre de mois que Timon est capable de vivre. Donc, les Timon sont capables de réussir à vivre là. Et bien, quand il y a là, il y a sorti lui. Et puis, nous-mêmes, qui sommes néonatologues, nous venons nous prendre un bébé ça, qui est tout petit, pour faire un bébé qui est bien dans le même comme ça. Et puis, nous mettons le nom couveuse jusqu'à ce que l'arrivée soit assez gros, l'arrivée ait une capacité pour le capable de vivre dehors pour n'importe quel bébé. Mais pour assurer le développement bébé, qui est-ce que vous avez certains éléments que bébé a commencé à prendre dans la couveuse là parce que dit que bébé a développé, c'est-à-dire comme les gros gars, je vais vous consommer des bagailles. Regardez-nous qui structure qui mise en place pour bébé a développé dans la couveuse là. Bon, ça c'est une sous-spécialité dans la pédiatrie. Peut-être que quelqu'un doit un antigène trop élaboré pour l'auditeur. Mais quand même, regardez que il y a un sérum, il y a des médicaments, gagner oxygène, bon ben donc tu vois tout le monde recevoir sucre, recevoir calcium, il y a plusieurs éléments, glucose, je dis c'est sucre, glucose c'est un non sucre, mais plein d'autres éléments que vous recevez et même ça vous parlez dans notre pays que nous peut-être à peine commencer qui c'est hyperalimentation parentérale totale, c'est-à-dire que tu nous reçois tout le bagage net à travers et c'est bon. Dans l'émission aujourd'hui, on a parlé de droit à la santé. Alors, je pense que peut-être que les gens qui regardent l'émission, ils demandent à mon futur maman qui regarde l'émission là. Et puis, qui t'a dit, mais qu'on est qui en précaution pour prendre, pour éviter les genres de petites difficultés, les genres de problèmes avec la grossesse. Bon, effectivement, il y a un pile de bagailles qui sont capables d'éviter, même si ce n'est pas toute cause qui est capable d'éviter. Mais il y a des choses simples quand vous êtes enceinte, il faut éviter de soulever quoi qu'il vole. Et le plus souvent, ça arrive, c'est les gens qui ont le premier timon déjà, et puis toute la journée, la côté timon ça. Donc ça fait que les risques de faire, ils ont un timon prématuré. Il y a l'autre cause, tout qui est cause d'infection, ces affaires. Il faut rencontrer les médecins assez souvent pour les suivre. Pour faire des examens, pour voir est-ce que il y a un problème, pour traiter l'infection rapidement afin de le développer, pour ne pas poser le bébé à des problèmes. Juste avant, je vais demander, est-ce que le fait que l'on ait un petit
les antimoun prématuré et que vous mettez dans la couveuse, est-ce que il pas qu'on y a effet secondaire? Et si oui, qui sont les effets secondaires? Bon, peut-être que ça va rentrer dans un sujet qui est assez d'actualité. Par exemple, il y a une maladie qu'on a parlé très souvent de l'autisme. Très souvent, et il y a quelques prématurés, ils sont capables d'avoir un problème. Ça. Pour qui ça? Un bébé qui était dans votre maman, elle est sortie, il n'est pas dans le même environnement. Il y a que maman que tu attendais, qui était tout près que parler, tu attendais maman, qui a parlé, tu attendais voir papa. Et puis brusquement, il y a une boîte. Côté que il y a un paquet d'appareils qui a clignoté, qui a fait bruit, qui a pip pip pip, c'est des moniteurs qui a contrôlé le cœur, contrôlé la saturation, etc. Tout le monde fait ce que c'est un environnement de stress. Sans compter que, pour que le docteur Abbasé là, il mettait un stéthoscope et parfois bien fouet sous lui. L'autre là est venu, il mange la tête, il mange un série de côté, il a examiné. Après ça, il filmait la vigne, il piquait pour le mettre en sérum. Et technologie et laboratoire la vinyle ils font brise sang tout bail ça la pour se voir piqûre ils battent les voix parents tout bagage. Donc imagine on a qui stresse bébé aïe même ou même on t'a stressé. Donc bon, c'est que ça c'est genre de environnement qui entraîne un repli sur soi qui fait que tout mon avis fermé. C'est pas seule cause autisme, bien sûr il y a d'autres causes, mais quand même c'est une cause qui permet que tout mon avis fermé. Et donc ça c'est tout, on voulait dans la santé mentale que nous pensons qui supposait déjà capable de combler. On est allé nous parler de santé physique, c'est les tout organes marchent bien, que a marché bien, poumon marché bien. Donc si on va à l'école pour aller jouer football, aller faire sport, faut être capable de courir pour que le pas ait problème. On a des athlètes qui tombent pendant à jouer football et puis que ils étaient parce que ils ont pas fait un bilan cardiaque peut-être ou est-ce que le cœur fonctionnait normal. Si, est-ce que les gens font effort, est-ce que le cœur continue à fonctionner bien. Donc, il y a tout le monde. Et la prévention principale, là, c'est une alimentation saine, une alimentation équilibrée. C'est là, on parle de fruits, de légumes, on parle d'éviter l'excès, on parle de manger à des heures régulières. Parce que de vous tendre au grand goût, par exemple, vous mangez trop. Parce que vous avez grand goût. Là, on mange trop là, et bien on est en train de hésiter. Donc, il n'y a pas de bagages comme ça qui entrent, qui enchaînent en fait, parce que vous gagnez et tout le bagage qui est lié, parce que le corps a son tout, que c'est problème mental, que c'est problème physique, et bien ça va agir sous santé ou sous bien-être. Oui, depuis tout à l'heure, on parle de bien-être, mais point ça, est-ce qu'on peut s'approfondir pour nous, qui ça, qui est vraiment bien de bien-être là? Est-ce qu'on peut approfondir tous les téléspectateurs? Est-ce qu'on sent tout bien? Oui, je sais bien. C'est tout simplement ça. Mais ça, ils sont sentis bien dans le rôle. Parce que, oui, ils sont sentis bien. On va voir les en définition dictionnaire que vous n'avez. C'est les gens qui sont bien dans sa peau. C'est-à-dire, ils sont sentis bien. Ou pas dans la tête. Le lever, là, ou marcher deux pas ou pas essouffler. Ou bien, ou capable de venir là, ou faire un petit travail et ou aider. Faire deux travail dans la là, ça va. Empêcher et continuer à faire l'activité après, ou pas obligé à le coucher après parce que tellement pas bien, ou pas pour faire, ou pas pour commencer à faire lecture, éviter de commencer à faire mal ou être noir, ça c'est yeux qui ont un problème, ou bien parce que vous manquez de certaines vitamines. Donc tout ça, depuis que vous avez un problème quelconque, le corps réagit. Donc la fièvre, c'est le corps qui réagit. Donc la tête, c'est le corps qui réagit. Il réagit à un problème, puis il veut dire bien, un problème, attention, moins en danger. Donc, il signale un problème. C'est comme ça qu'on va signaler tout problème. Et puis, quand on va signaler un quel problème, c'est pour bien. On a là, en Haïti, nous avons un pays où il y a des détresses et socio-économiques. Peut-être que nous avons dit bien d'être là, c'est le bien comme. Si vous l'ajoutez, mais ça, ça va entrer dans la santé. Est-ce que le fait que vous sentez un bien-être, c'est. Non, justement. Parce que le plus souvent, c'est un monde qui est actif, on n'a pas de temps pour ça.
En général, on nous levons bon mal tête ou juste bon remettre des douleurs et pour le travail ou à l'école ou à faire soir que vous faites. On va arrêter à regarder est-ce que mon ça lui-même pour chaque mal tête il va le faire scanner pour voir si c'est pour le bon problème. Non, mais c'est ça. On pas obligé de faire, mais quand même. Il y a deux éléments qui ont toujours retourné. Ou on commence à avoir un problème qui a pété de temps en temps retourné. Là, quand même, au certain moment, il faut contrôler le docteur. Il faut faire des bilans annuels, des investigations. Ce n'est pas seulement l'homme malade grave et puis pour boiter pour soutenir maintenant le docteur. Non, c'est ce qu'on appelle des visites de routine, visites de check-up, bilan annuel, bilan régulier, etc. Plein non, pour montrer que vous n'êtes pas obligé malade pour aller le docteur. Bon. Première partie ça, moi pense que nous avons appris un peu sur la question de néonatologie, nous avons appris un peu sur l'éviter que nous avons aujourd'hui en tout. Et je me dis que, si je présume, je me dis que la question de santé est un bagage qui est très sensible. Donc, chaque petit détail, chaque petit signe compte. Donc, pas ouais que vous avez un petit bagage comme si vous avez en Haïti, nous avons ça comme défaut. Bon problème là, comme si moi-même, je suis propre docteur femme, je suis courir je me remettre, par contre, je bouillon thé, un bagage comme ça, je fais de par moi-même. Donc, bon, à quoi c'est culte sur nous, c'est coûte sur nous, mais peut-être que faut repenser sur ça. Parce que chaque docteur a dit là, chaque petit détail compte dans la question de santé. Nous allons faire place à présent Jean-Rémy Dila, la grande petite Lousse de l'émission. Elle va nous présenter le mot perdurer. Bonjour et bienvenue à la rubrique Mon Nouveau, ta rubrique pour apprendre de nouveaux mots français. Le mot d'aujourd'hui est perdurer. Le mot perdurer est un mot qu'on utilise pour parler de quelque chose qui dure longtemps. Perdurer est un verbe. Je reprends pour toi, on utilise le mot perdurer pour parler de quelque chose qui dure longtemps. Perdurer est un verbe. Un petit exemple. Ma bonne santé doit perdurer. Tim Tim! Wachèche! Pitim Piti, m'ple kay. Shhh! Petit pied. Rafoumi? Non, pas de sang. Et lui? Pas de sang. Téléspectateur qui doit barrer mon sang. Et bien sûr, pas bien que c'est le premier monde qui voit une bonne réponse dans le cadre d'une belle récompense que place aux enfants réservée pour l'IA. Pas oublier, courir, vos réponses à nous. Ne pas recevoir appel, c'est vous un petit message à nous par WhatsApp ou par SMS. Bien vite, il faut que c'est le premier monde. Parce que nous avons une belle récompense par le premier monde qui voit une bonne réponse. Jouez pour faire vite vos réponses. Tim Tim, WhatsApp, Pitim Piti, M'plekai. 34-01-22-22. Vous suivez Place aux enfants, votre talk show préféré. Un show où tout le monde a sa place. Comme j'aime le dire, il suffit d'avoir l'esprit, le cœur jeune, un cœur d'enfant. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est bien le droit à la santé. Et pour ce sujet, nous avons avec nous le docteur Jacques Peltier qui est là, qui est pédiatre. Alors, nous parlons de droit à la santé. On dit tout le temps droit à la santé. Alors, docteur, donc, là, on parle de droit à la santé. Qui sont les gens supposés bénéficier vraiment quand on parle de droit à la santé? En qui ça, ça concerne les gens vraiment? Bon, ce n'est pas quelque bagaille parce que lorsque vous avez un école, par exemple, les gens ne vont pas manger le matin. Li pa manje peut-être l'école là, li veut juste seul manger. Ti moun ça, li gen carence nan vitamine, non paquet de bagay, li pa ka apprendre bien. C'est droit li gen dans les élèves. Parce que c'est santé qui gen en patin. Si ti moun ça, li pa bénéficier d'un examen yeux pour voir s'il voit bien. Normalement t'es supposé gen docteur yeux que l'école yo t'est employé pour passer. Ou est tout si vous nous assurez que vous avez tout ça qui est sur le tableau. Parce que les gens qui sont dans le fond de la salle pas bien. Et puis le professeur Ali Makel, tout l'autre qui est lui-même n'est pas bien. Droit par les yeux. C'est droit à la santé que le gagne, que le supposé capable de faire. Si son lunette même capable de gagner, si c'est alimentation, que c'est ça fait grand pile l'école, qui est mettre des cantines qui sont subventionnées. Parce que même ça n'y a pas un patac à payer quand il n'est pas besoin de manger à quand même. Parce que vous ne que l'important. Vous avez droit à gagner et si vous avez dit que 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 vous avez
s'il tombe sous terrain, un gros problème, c'est droit qu'il les ait encore. Donc, il y a plein de choses à yo, il y a tout et niveau musculaire, si tu m'en et par exemple, il n'y a pas de chambre, faire sport. Vous comprenez? Parce que ici, bien sûr, la plupart des gens marchent, ils vont à l'école, ils marchent en ville. Mais quand il y a un bon principe, si vous avez son téléphone, la avez des jouets, la avez vidéo. Donc, si vous avez même là, vous commencez à faire obésité, vous avez droit à ça obésité à elle. Si vous avez commencé à manquer développement muscle, donc là encore, c'est droit qui les est. Donc, ça fait par an, qui l'a eu capitaine de nous. Faites mon yo, moi fais activité, fais sport, fais jouer et football, fais monter bicyclette, bah connais tout ça nous gagne, basket pour big grand yo. Wade ou pas connais si on va battre une NBA ou le millionnaire donc à l'événement et tout. Okay, ça tout. Donc faut nous comprendre que sport est important aussi bien que développement intellectuel. Mais si mon n'a pas l'école tout, c'est vol pas développer. Si mon n'a rien sort et même c'est droit à la santé tout. Mais santé mentale les comme c'est qui comme ça appelle. Sous battre les tout parce que nous avons tout fort à battre si vous voulez expliquer le problème mais qui fait que vous pas content avec elle mais ça le fait pas bon mais caler si vous pour craser zol etc pour si vous n'avez pas été à l'hôpital mais il n'y a pas de sens non plus tout parce que vous tellement crasé estime si vous non crasé pour rallier il y a des choses qui quand même que si vous n'avez développé avec lui des problèmes qui lié au fait que il t'a battu tout pareil ça donc un pilote exemple que t'as qu'apprendre toujours mais tout ça yo quelque soit peut-être nous va penser c'est seulement maladie mais toute bagaille ça qui empêche que ti moun nan développé non santé correct dans état de bien-être dans paléa et ben ou quand même ou laisser droit à la santé. C'est dans ce sens même, j'en parle de mes parents qui ont battu, etc. Mon père qui fait ça, c'est comme si il détruit la santé physique, si mon nom, et en même temps, il détruit la santé mentale. Tout. Parce que si mon ça par la paix des batteries, peut-être qu'il doit arriver à l'école, etc. Le timon, ben, il se pôle marqué. Comme si blessure en plein, mais c'est comme si la bombe blessure là, tout parce que tout le monde est capable de garder, tout le monde qui est ennuyé, etc. Donc, ennuyé, tout le monde, etc. Car tout était dans un petit coin. Donc, là, ça, tout, ça arrive que tout le monde, même les gens n'ont pas pris l'école là, ça arrive que les gens font reculer. Parce que la santé mentale est atteinte et en même temps, la santé physique est atteinte. Donc, ces questions, je peux dire encore, c'est pareil pour nous faire très, très attention avec les questions de santé. Oui, et sous même question, doit là, c'était ça, tout, et pour parler de parents, comme si. Qui pour quitter Timonio faire sport, qui pour quitter Timonio abonner à certaines activités. Donc, nous avons mis que vous avez des parents qui ont gardé là quelques petits conseils. Parce que parfois, il y a des parents, leur conseil c'est qu'ils évitent Timonio. Ils font pareil si en même temps, santé Timonio qui ont déjà ennuyé. Par exemple, il y a des parents qui ont une coutume qui s'est fait la boue. Donc, peut-être faire la boue, le Timonio a couru, peut-être que, bon, peut-être que Lika. Le poste dit faut que tu courir, il faut faire activité, il y a une série d'activités, par exemple la roue, etc. Et puis, par lui-même, il dit que tu n'as pas fait. Donc, dans ce sens, ça. Qui tu as dit pas fait. Moi, c'est que tu as des garde-fous qui vont toujours gagner. Par exemple, si tu dois jouer au football, tu dois jouer au football dans la boue, tu dois jouer au football non rue, qui peut être un impasse, qui n'est pas tellement de joueur que. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui jouent là, pas parler de la vitesse, etc. Mais si il y a des gens dans le livre, il faut jouer par exemple dans le bassin, ou bien sous tête ton caille, qui va même des bordures. Donc forcément, on va ajouter dans le risque là. Parce que moi, personnellement, souvent, pile des gens qui dépendent et dans l'aide de formation, qui dépendent sous tête sous le caille. Parce qu'il y a joué football sous le caille là. Si je veux qu'on dribble dans le tête carré là, parfois c'est 2-3 étages. Donc, quand même, il y a des risques qui sont capables de mesurer. C'est si on a joué son terrain, son gazon, il mettait des chaussures à briller. Parce que tout ça là-dedans, c'est pas pour un blanc faire grand bon. Il faut jouer sur le gazon, il faut gagner ça. Soit jouer dans l'indoor, il faut gagner ça. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui fait que tout ça que vous faites, gagner et protection pour mettre avec bicyclette là ou mettre casse ou mettre genouillère etc. dans volleyball tout dans football qui protège tibia etc. Donc au monde qui veut et ça protège tibia les gars cassent bien donc ces gens de bas ça qui capable vivre très souvent qui fait que les deux parents qu'on a qui parlent anti-jambeur mais toute bagarre là c'est comment aborder comment on peut le faire.
Et vous êtes à l'heure, par exemple, pas de prendre, c'est tout du langage. Quand il y a des spécialistes dans le pays qui sont les orthophonistes, l'autre monde va parler bien, l'autre monde bégué, l'autre monde a des temps pour parler, mais il faut maintenant qu'un orthophoniste pour apprendre à parler pour capable exprimer. Mais s'il n'a pas exprimé le même genre l'autre, même les autres dans la classe, ils ont une réponse à une question, tout le monde a levé, mais ils répondent à une question, et puis ils ont même dit comme ça. Donc là encore, ils les aident dans le monde. Donc, ce qui concerne les parents qui n'ont pas assez de moyens, qui pour genre, acheter pour des genouillères, pour des stibias, etc., pour des mignons, mais que les mignons ont aimé faire le sport, il n'y a pas. Bon, depuis que bon surveillance, parce que je me toujours dit, il faut que les parents aient ben, une certaine surveillance. Donc, c'est normal que au début, surtout les mignons et les petits, il faut la jouer sous yeux, ou adulte. Vous pouvez les jouer en côté que vous connaissez là, par un bout de fer qui a traîné pointu, que vous n'avez pas blessé les jambes ou bien qui a tombé sous le lit, ou bien pas gagné et on pile les sabbatés, vous pouvez vous glisser là-dedans ou bien de l'eau. Donc ces gens de base, ça y est, un espace que vous êtes capable de connaître qui est quand même assez sécurisé. Que même si tu n'es pas obligé de protéger si bien, pas de jouer là pour protéger bien. Mais il y a des bagages que quand même, on évite. Comme moi, je suis par exemple au cas là, on va le faire au petit monde sur le cas. Si tu n'es pas obligé de pointu, même si j'étais on le gars, on dit qu'on peut faire entrer dans le genou. Et c'est parce que pour te faire atteindre là, camper là comme ça, mais personne ne va te penser qu'on est juste plier, le pousser l'autre côté. Parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas même commodité, même capacité. Mais tout le monde est capable de garder qui est l'élément qui est dangereux, c'est ça qui est prévention. Et ça nous fait tout en santé avec vaccination. Et nous fait prévention pour éviter que tout le monde ait des maladies. Et on dit que qui pas vacciné, là encore, son droit à la santé qui lésé. Parce que vous exposez tout le monde à la diphtérie, vous avez parlé tout récemment là, qui a commencé à faire 2-3 cas dans le pays, ou qui a une autre maladie, que la vaccination a protégé, a évité tout le monde. Donc, il est important que les parents mènent les gens vaccinés, et les petits bébés seulement qui ont des rappels, ou des grands et tout, et même les gens enceintes qui ont des vaccins que tu poses. Ok. Oui, docteur, au sujet de la protection, tu as parlé de protection pour dire surtout protéger les gens qui jouent tout ça. Mais est-ce que sur protection, tu as parlé d'une atteinte à la santé mentale des gens? Parce que le parent met les gens dans une bulle, protéger tout le temps, protéger là. Est-ce que à l'avenir, il va y avoir des conséquences sur la santé mentale. Est-ce que par rapport à ça, c'est toujours besoin de parler là pour côté? Est-ce que ça va avoir un problème? Peut-être un peu, ça qui fait le drop. Donc, c'est ça qui fait que nous disons qu'on a un environnement sécurisé, mais pas un peu. C'est-à-dire, vous essayez et prévenir quelques risques, mais là, on va pas le modifier, on va le l'ingénieur, venir ranger, faire ceci, faire cela, mettre bah gros flamme pour tout le monde, à jouer pour le tomber pour le mater son carbone. Non, et quand même, gagner y a un certain degré de risque tout le monde a exposé. Pourquoi tout le monde va le remonter pour dans la voie quand même. Mais, vous parlez avec lui pour expliquer que Superman c'est une fiction, c'est un bagage qui passe seulement dans la télévision et que il va supposer les rivaux les vieux bois là pour le marron doit le soudre pour le voler parce que ça a été à la bravasse. On vend ça, c'est dentiste avec orthopédiste qui va le faire comme si par exemple trop dommage parce que il est fatal tout. Donc quand même, il est important que tout le monde. Il parle avec elle et puis il y a quand même des protections, mais comme on dit, pas trop, parce que sinon nous allons arriver dans ces contrats-là pour faire un petit monde et puis après ça, il va nous dégager et pour le fonctionner correctement. Docteur, oui, est-ce que vous avez plus de détails au sujet de structure, au sujet de tout bagage qui ont l'école d'où il y a vraiment pour assurer bien-être de petit monde, pour que petit monde reste en santé physiquement, moral, parce qu'on connaît que de grands espaces vraiment pour petit monde. Ou l'accès à l'école, ou tout ça. Est-ce que vous avez une idée de tout le bagage que l'école a doit pour assurer bien-être et la santé mentale et tout? Bon, comme vous parlez de l'espace, déjà l'espace physique, il faut que l'école là nous connaisse les gens que la recevoir. Même si la salle de classe en eux-mêmes est bien, mais il faut que la coûte. Il faut que les gens dans la récréation, il y a un espace pour jouer. Si il y a des activités sportives qui prévoient, il faut qu'il y ait des heures qui prévoient pour les gens pour récréer ou pour jouer dans l'activité sportive. Il y a supposé qu'il y ait pour manger tout. Tout ça, c'est des choses qui sont tout simples, qui sont de base. Il faut que ça ne soit pas trop chargé à l'élève. Il faut qu'il y ait assez d'aération pour les gens qui ne sont pas chauds, pour les gens qui ne sont pas incommodés.
Donc, il faut voir qu'il y a plusieurs instances qui entrent là. Parce que là, c'est seulement déjà dans l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale va contrôler les normes pour l'école là. Pour y aller au niveau santé directement, faut que l'école là supposé qu'il y a une infirmerie qui est capable d'avoir un premier soin si il y a un accident. Supposé qu'il y a un médecin scolaire. Et puis, supposé qu'on contrôle déjà de quand est vaccinal, est-ce que Timounio est rentré à l'école là, prenait la joue, et est-ce qu'il a respecté plus ou moins les visites médicales, etc. Ça fait que parfois, même les gens ne connaissent pas Timounio qui a été diapé, mais au moins, le médecin scolaire là, on leur que Timounio est supposé ouéli, même si c'est une seule fois ou deux fois par année, que classe ça, et pour le passé, le médecin scolaire là, ouéli, pour être capable de connaître, est-ce que toute acquisition pour l'âge ligue est en fait. Si tout le monde sait, par exemple, c'était dans le garde de l'IE, est-ce qu'il est capable de manier le cube bien? Est-ce qu'il est capable de foncer le bagage qui montre que tout le monde a évolué par rapport à l'âge? Il y a des guides déjà qui préétablis, que parfois, même si c'est pour pédiatre, il est capable plus ou moins, ouais, que tout le monde sait, il est bon retard parce que il n'a pas fait tel ou tel bagage. Ou bien, il a développé certains bagages, il y a l'autre qui n'a pas développé. Parce que parfois, si vous avez un bagage, ça ne veut pas dire que si vous avez un bagage, 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 vous avez un parce que vous développez plus en l'autre bagage. Donc, il y a ça tout pour essayer d'équilibrer, pour ajuster, pour que si vous avez tout le même développé bien et correctement. Qui l'autre bagage, l'école là, supposé, et gagne encore, c'est les espaces de lecture. Parce que si vous avez un la paix travail et puis au besoin que tout monde ça li repasser le son que fin apprendre en classe là parfois il a vienne chercher ta si l'école là bon bibliothèque il va pas dans la bibliothèque là la regarder la fonti lecture la étudier le son donc gain tout ça tout donc demander pour l'école yo ta bon bibliothèque en plus de et salle de classe bagage. Donc, c'est tout le bail, ça y est. Bien sûr, si l'école est capable de faire appel à un psychologue, il est bon tout. Que le psychologue est capable de décider des comportements et bizarres, parfois, quand on a un petit monde. Ou est-ce un petit monde qui. Non, nourrit, mais un petit monde qui, par exemple, qui ne pas jouer avec l'autre, qui veut fermer à l'école. Parfois, il y a un problème, et pour un petit monde, ça aboutit jusqu'à. Et parfois, ça y a des suicides, etc. Donc, il veut nous geste parce que tout le monde a désespéré, de pour contre il senti rejeté par l'autre parce que on dit que la jeunesse est sans pitié. On dit qu'il suffit que l'on lit mon bail, il va finir même genre tout le monde. Et puis l'autre c'est ria pour tout le temps sous lui, il a moqué au de lui. Tout le monde ça lui même tellement vite triste, il a envie de disparaître. Et puis on joue faire ça. Donc ça c'est pas bail, vous supposez rire, son bagage qui très rire au sérieux et c'est pour ça que l'important que tu as carré psychologue qui même si l'école pas l'école en permanence tu as qu'à passer régulièrement dans différentes écoles récemment on connaît tu gagne et on mérite parce que mais bon ce qui était besoin essayer mettre un programme ça sous pied ou gagner et IBERS qui c'est institut bien-être social qui c'est gouvernement avec affaires sociales et qui essayer pencher sous que ce soit des gens qui en domesticité, que ce soit des gens qui maltraité, des gens qui dans malnutrition, des gens qui abandonné, tout ça c'est des problèmes que l'Institut bien-être social a géré. Peut-être que le niveau de l'école là, peut-être l'éducation nationale qui vous travaille un petit appui pour que différentes instances soient capables de coordonner pour rendre l'école yo au meilleur environnement pour les gens en général. Alors c'était tout pour la deuxième partie concernant le droit à la santé, côté nous parler sous question santé avec l'école, nous apprenons un pile bagage. Alors à présent, nous allons souffler un peu, nous allons danser avec les œufs fantastiques dans la musique chanter à ta santé. Chanter à ta santé. Si tu ne m'entends pas, je te ferai un signe. Et si tu ne vois pas, je te guiderai sur la ligne. Si tu ne parles pas, je devinerai tes mots. Si tu ne comprends pas, prendrai le temps qu'il faut. Si tu es maladroit, j'assurerai tes mains. Et si tu n'es pas droit, je te soutiendrai bien. Si tu cours moins que moi, je
De retour après la pause et sur le plateau, nous sommes toujours là souriants au cours de cette belle émission. J'espère que toi-même aussi tu es là et tu suis. Nous sommes toujours avec le docteur Jacques Pelletier. Maintenant, poursuivons. J'ai une question très importante à vous poser. D'après vous, docteur, qui structure que on l'école t'a de mettre en place, mais qui intervention, mais qui ça vraiment pour l'école a fait pour des maladies nous cas dit qui transmissibles, des maladies contagieuses, qui ça vraiment pour l'école a fait pour éviter que l'homme ça propager trop. Bon, essentiel là, en général, c'est professeur pour bien former. Pour apprendre où les anti-moun vini et puis le bon problème. Si les anti-moun vini, il y a des boutons sous col, il y a un mat dans la tête, il ne va pas tomber, il va frapper. Vous comprenez, ça c'est. Ça, il éteint, donc il le 10 piastres. Donc c'est des maladies comme ça que ou bien t'en ouais ça assez rapide et puis pour avertir parents yo que timoun ça faut venir chez le docteur parce que sinon il risque contaminer l'autre timoun dans classe. Gagne des maladies OK vaccin ca protéger, gagne l'autre vaccin pas protéger. C'est pour ça longtemps qu'on parler de maladies d'enfance, gagne des roséole, gagne l'autre maladie que pas vraiment qui courir vaccin pour nous. Donc essentiel là c'est éviter que ti moun nan dans milieu scolaire là dans mitan tout l'autre yo pour pas contaminer pour pas créer une épidémie. Donc faut professeur capable vigilant yo wè ti moun ça par exemple la tousser dans classe là la tousser tout le temps. Ah est-ce que la fièvre ou vient de voir l'infirmerie pour que au moins infirmière la ka garder si pas bon médecin là au moins infirmière li garder li dit ah ti moun ça OK li pas bon bagay trop grave. Et mais ça le bali il est capable de tourner dans ça ou bien non lui même faut que parents viennent chercher parce que il va bien pour la caille docteur non seulement pour santé ti moun nan tout mais pour protéger l'autre qui va malade là. Bon, pensais que nous parler en pile sur prévention pour prendre sur des mesures que l'école supposée prendre mais la question c'est qui gens pour un monde rester en santé donc précieux ça que dit qu'il la santé qui gens pour un monde faire pour préserver pour toujours bien. Bon, on va préserver autant que possible, parce que nul n'est éternel. Tout le monde a leur bruit aller, tout le monde a leur bruit mourir. Maladie, il y a pour un monde qui est faible. Donc, d'une manière générale, il faut capable essayer de conserver autant que possible en état que ou en bonne santé, c'est-à-dire leur manger bien, ou gagner des habitudes saines, ou éviter tout ça qui pas bon pour corps, c'est-à-dire bagaille que les jour il fait et cholestérol augmenter, il fait et sucre monter, il et ou bien monde qui fumait, qui boit en pile alcool, tout bagaille ça yo, on est que bon, même les que il y a des monde qui tellement fin habitué en bagaille pas passer de lit, mais ou ka dire il y a modération dans tout bagaille. Ou éviter font ba à l'excès. Même sport extrême yo, même les sports là bon, mais un sport extrême, les vin pas bon. Ou gen risque fracture la dan, ou gen risque fatigue avec et usure prématuré de certains organes parfois. Est-ce que ça est dans état? Est-ce que ça est liqué? Oui, ma prématuré. Oui. Les que par exemple ou pé sous courir trop et pou pied à terre. On pas bim en bas yo. Même gens tout si que et on nous va fumer on va bien poumon vous voyez donc quel que soit son faire bon bagaille qui a utilisé pour faire donc bagaille ça de vous faire trop ou utiliser organisme ou partie dans corps qui t'a utilisé pour faire son affaire là puisque vous faire trop et ben living et usé et puis user trop bonheur user avant reste corps donc on a organisme ça vient malade foi yo dou en bas côte pour la bon côté que les foie et mais foie moun nan c'est li ki la pou nettoyer sang de on paquet bagay ou imagine ou moun ki a pou alcool moun ka prend des médicaments tout temps la fo paquet bagay li utiliser manger sucrerie et cetera foie et on gain excès tout excès gain pour éliminer et mais foie ça li capable fon cirrhose du foie parce que foie trop utilisé. Et ça, c'est une maladie qui lie à stress que faut avoir tellement de travail, qui, contrairement à une hépatite, par exemple, qui sont microbes, qui sont un virus. Alors que c'est deux bails différents. Une sont infection, l'autre, la lui-même, c'est tellement fatigué. Donc, si vous n'êtes pas fatigué,
li ka privé peut-être nan point ça. Donc c'est dans sens ça que toujours dit au monde pour faire tout ça faire ou faire avec modération pour prendre précaution sous sans trop fatigué ou pas le forcer souci bon et là on athlète de compétition pour athlète tout pour arriver 25 30 ans pour retraite yo parce qu'on connaît que si on continue comme ça arrête ça il va bon santé donc il est important que on en connaît limite li pour pas essayer à faire des excès ou on l'autre vini là li font bagaille ou pas forcément obligé pour y aller essayer faire surtout pour nous même petit monde nous on plus grand font bagaille ou on l'autre dans l'école là font bagaille nous pas obligé capable faire tout chaque monde gen capacité yo gen moun ki font dans tel bagaille ça font dans tel l'autre bagaille mais chaque monde était dans domaine yo ou quand elle même là elle vient le marcher sous main là elle plaque elle dans l'équilibre ou même ou elle fait ou quand c'est bras ou quand c'est dos et puis c'est pas moi qui gagne problème à maman donc et ou éviter ça parce que obligé à ben on va aller docteur bon plat pendant pas quelque temps bras ou casser mon casser ou manquer dents donc les bon pour faire en pile précaution ou jouer des jouets qui intéressant ou faire sport normalement et puis ou manger bien pour éviter trop sucre et j'en dis à là mais et quand même et ou capable bon à l'occasion ou manger un petit surette un petit gâteau ça va faire c'est pas tout le temps voilà et ben pour parents qui regardent là tout t'es capable bon dernier petit conseil sur question petit monde tout parce que pile parents qui peut-être suivre émission et puis petit monde qui cap regarder mais sont mais qui pas comprendre et c'est responsabilité parents donc parents c'est yo connaît là grand pile bagaille que faut connaître il y a tout des bagailles que yo contendé qui pas forcément vrai quand vous allez alors parler de sucrerie avant dire sucrerie papa ever ouais petit monde dans ramasser vin dans jouer dans terre dans manger manger qui mal cuit ou bien salade qui mal lavé et yo ramasser vin a pour n'en faire rien dans yo peut-être que sucre la vin noir même pour le manger mais c'est pas pendant que ou a manger sucre ya que ouais petit monde n'a pas fait la vin non plus c'est comme moins doux c'est dans mes sale dans manger qui pas propre que yo prend vin donc c'est une bagaille que faut connaître c'est des mesures d'hygiène en général qui permettent de éviter un paquet d'infections lavage des mains brossage des dents et bain régulier les fois nous les nettoyer collier pour pas traiter une série de microbes tout même si qu'on équilibre on prend des coupes un petit monan même si à la naissance on ne pas voulait trop bonheur etc mais après ça soit toute zone petit monan bien sale faut couper lui et donc que toute qualité soins corporels et soins environnement ou nettoyer assiette ou nettoyer table ou doit manger ou saute dans toilette ou laver mains donc c'est toutes des mesures d'hygiène qui tout à fait simple qui tout à fait banal qui capable éviter un paquet de problèmes. Dans troisième partie ça nous sautons avec docteur Jacques tout ça au café pour être en santé ou alimentation saine on kembe mesures d'hygiène laver mer ou comment dire ça ou manger qui bien cuit nous sautons avec comment on monde ca rester en santé donc pour monde qui fait brancher on m'a rappelé au club sur place aux enfants émission préférée et thème jodi c'est droit à la santé droit aux enfants à la santé dans saison 6 ça que place aux enfants pote pour moi. Donc on y a nous pral faire on petit pause parce que nous y a prêt un pile bagaille avec docteur hein. Quand y a nous pral faire place avec Tara qui n'a oublié tout qui a astuce et on pral pote un nouveau bagaille. Tu es un fin cordon bleu. Alors aujourd'hui, c'est toi le chef et tu veux faire une bonne purée pour accompagner ton lit. Mais voilà que ton poids menace de se renverser. Alors, que faire quand ton poids est sur le point de tomber? Eh bien, tu n'as qu'à mettre une cuillère dans la chaudière et le tour est joué. N'oublie pas, lorsque ta purée est menacée, la meilleure amie de ta chaudière, c'est la cuillère. J'aimerais me dire que la place aux enfants, chaque monde a une place par yo. Dans le début de l'émission, nous avons gardé des petites mauvaises là. Ça que ou pas doué faire, ça qui pas doué faire logiquement. Quand y a maintenant même petit sketch ça, nous allons garder bon parti à qui ça qui doué fait, qui ça que ou même ou doué fait. On va regarder.
canard, ils sont gagnés. Vous tout seulement qu'à faire mal, soit tu manger. Mes amis, mais est-ce que la fait mal en pile? Oui, maman. Mais j'en moi là, c'est l'hôpital Malavo, là. Bakagado, non? L'hôpital Malavo. Dernier bout là, dans dernière ligne droite là. Et bien avant que nous allions, nous faisons un rappel sur tout petit point nous t'aimons qui est important, qui est important dans l'émission aujourd'hui. L'émission est divisée en trois parties. Et pour la première partie, ça que nous avons vraiment comme gros thème combat qui est bien important, c'est qui ça bien-être là. Et bien, bien-être là, c'est un état côté où vous sentez bien physiquement, mentalement et moralement. C'est lui ça là. Alors, sous deuxième partie, on a retenu que dans la question l'école avec santé, yon l'école supposée équipée de tout bon matériel qui pour viser à l'épanouissement de Simon. Tu as parlé de infirmerie, tu as parlé de professeurs autour qui supposé imbu de une série de symptômes la caille Simon pour éviter une série de maladies contaminées, une série de l'autre Simon dans l'école là. Côté pas me apprendre que l'important pour tout monde respecter règles hygiène, règles de base, ben douche régulière, tout ça, faut nous manger qui bien cuit, faut nous bien laver aliments, tout ça, faut que toute règle d'hygiène de base respectée pour nous arrêter en santé. Dans la émission, le docteur a dit un bagage qui est très important, c'est que ce n'est pas sur l'aide qui va être mieux. C'est les pas laver mais les fin jouer dans terre, les manger manger qui pas bien cuit et puis les mets au les mettre dans bouche, c'est là ça yo joindre. C'est pas sur l'aide qui va être mieux. Mais si vous n'avez pas supposé manger en pile sur l'aide tout parce que il y a l'autre effet que les cabaille donc carie etc. Donc, docteur, jusqu'avant que nous bouclions l'émission, est-ce qu'on parle d'un dernier mot, d'une dernière information pour faire passer l'émission? Et oui, effectivement, bon, pour parler de la suivre, là, pas oublier que Timoun, c'est depuis le fait que il commence à gagner droit. Donc, on va nous parler du tout, c'est allaitement maternel. Parce que c'est parmi les premiers droits Timoun a gagné, c'est une des premiers droits à la santé, parce que l'allaitement maternel, là, non seulement lui permet que si moun nan gon protection que maman en bas li avec anticorps parle qui passe dans l'être là qui protège ti moun nan contre une série de maladies mais tout li empêcher ti moun nan faire mal nutrition parce que son aliment complet lié pour bébé a qui fait là ça fait que santé publique recommande allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et pour yo continuer allaitement malgré que yo vin ajouter l'autre bagage après 6 mois si possible jusqu'à l'âge de 2 ans pour ti moun yo ta allaité. Donc c'est surtout ça que m'ta et besoin insister sou li. C'est surtout sou ça m'ta vle insister parce que li important que moun konnen que faut bay et ti moun yo tété et c'est yon pi bon et bagay que ka fè pou ti moun nan l'âge ça, c'est yon meilleur moyen pour protéger santé pour faire pour résister contre une série de maladies en période ça que très fragile. Avant sa bonne émission, tu as un petit jouet que nous faisons toujours à chaque émission qui est lancé par tous les téléspectateurs. Et je dis à c'était un compte. Tim Tim! Bois sèche. Qui réponse là? Pitim Pitim Plenkai, réponse lancée. Fumier. Lumière liée. Ah! Lumière. Oui. Exactement, c'est lumière. Est-ce qu'on t'a joué? Mais surtout, pas oublier que c'est le premier monde qui t'a joué une réponse là que nous avons une belle récompense. Alors, si c'est ou gain n'a contacté pour jouer une récompense pour là. Et
Émission aujourd'hui a touché à fin. Donc merci à tout le monde qui t'a permis réalisation émission ça. Merci premièrement au docteur Jacques Pelletier qui t'a bien accepté venir répondre à toutes les questions que nous t'ai gagné sur question droit santé. Mille merci docteur et continuez bon travail que vous faites dans la société sur question pédiatrie, sur question petit monde que vous avez sauvé. Donc merci beaucoup. Alors merci à Axiom Graphique, merci à Tech, merci à télévision diffuser émission ça. Enfin, merci à vous chers téléspectateurs et pas oublier de coordonner Place aux Enfants. C'est page Facebook là, Place aux Enfants. Abonnez-vous, un petit like. Pas oublier page YouTube là, à l'abonnement. N'a pas cassé rendez-vous pour notre émission encore avec plus couleur, plus gaieté et surtout avec un sujet qui a mille fois plus intéressant. Au revoir et à bientôt. Et n'oubliez, Place aux Enfants, c'est tout simplement génial! Donc ça, c'est son parenthèse qu'on a fait. Donc si vous voulez... Nous pouvons faire place à Non. Et mon nouveau perduré. Pardon. Désolé. Bonjour, chers spectateurs. Non. Trois, quatre. N'oubliez pas que Place aux Enfants est à sa sixième saison. N'oubliez pas. Bravo. C'est sketch et puis nous avons annoncé au bout de ces artistes là déjà sketch et puis final. On a allez, bonne partie du sketch. Pour la deuxième partie du sketch là. Quand on va regarder bon partie du sketch là. Ah, on s'en dégage pas si mauvaise là. Ou t'es pas partie mauvaise, on va pas partie positive là qui bonne réaction supposée. Non, début émission. Oubliez tout à la fin. Docteur Tête Zobaray qui antigen qui était important et qui touchait monsieur que l'idée touchait nous. C'est que et pas surette qui va être diminué vert, qui était diminué manger surette. Négatif. C'est non, tout dit, c'est pas surette qui va être diminué vert, mais c'est une question d'hygiène, etc. J'ai mangé cuite. Oui. Allez, non. Nous jouons dans la terre. Mais espère que vous avez un chaise bar pour qu'à conduire parce que Place aux Enfants est de retour. Et comme ça l'a si bien dit, aujourd'hui on a un beau sujet à débattre. Ce sujet est. Si c'est bon, oui. Juste. Non, c'est pas une affaire. Et tiens, je vais sur le plateau. Oui, ok, tiens, pas là. Et tiens, il est On allez. Et tiens, il est allez, c'est bien. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, on a avec nous. Jacques Pelletier qui est un médecin. Donc le sketch d'abord. Oui. Enfin. Qu'est-ce que c'est le sketch? Automatique. Ouais. Le sketch. Voilà. Caméra sous. Votre étincelle de bonheur, de gaieté, de joie est de retour sur votre petit écran. C'est bien Place aux Enfants.